Bon, on se pose souvent la question de savoir pourquoi travailler un matériau plutôt qu'un autre. Et moi, ce qui m'intéresse particulièrement avec le bois, comme avec d'autres matières naturelles, comme les minerais ou de la peau, du cuir, c'est que c'est des matériaux naturels qui ont une forme de croissance ou de sédimentation pour les minerais. Et qui fait que c'est un matériel en fait qui est hétérogène et qui n'est jamais le même d'un morceau à l'autre, ça change toujours. Et moi, je pense que ça doit être sans doute le premier matériau que j'ai utilisé en étant enfant pour sculpter des flèches ou tailler des petits personnages, des petites choses. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi dans ce matériau-là, c'est qu'on peut l'utiliser aussi bien avec des machines, avec des outils assez sophistiqués et des pratiques liées au métier du bois, comme on peut le trancher avec une simple lame en étant beaucoup plus proche d'une pratique de bricolage. Ce qui m'intéresse particulièrement, c'est le fait justement de rentrer dans des pratiques très différentes, avec même qui peuvent paraître contradictoires au départ, selon qu'on travaille avec un ébéniste, un menuisier ou un charpentier, qui ont des manières de l'appréhender totalement différentes. En fait, il faut voir ce projet à l'intérieur d'un projet global, qui est... En fait, moi, je suis invité en résidence à réfléchir, avec une carte blanche, qui est de réfléchir aux usages du bois, aux utilisations du bois et au possible avec le bois et avec des essences de bois corse. Donc, moi, j'arrive pour proposer des objets qui vont déjà nous permettre de nous rencontrer, ensuite nous permettre de comprendre les métiers de chacun, les métiers de part et d'autre. Donc j'essaie d'une part de dessiner des projets déjà assez simples pour pouvoir être reçu dans les ateliers sans avoir d'investissement en machine. Oui, deux projets auxquels je voulais te parler avant qu'on démarre sur la chaise, qui sont des projets sur la table. Donc il y a le support à fruits et des planches à découpe. Je fais des couteaux, j'ai dessiné des couteaux qui vont être faits par Checaldi. C'est encore en cours, donc ça va encore évoluer, on sait à peu près comment. Et avec les couteaux, il y a des planches à découpe comme ça, qui sont assez simples, qui sont des planches biseautées à 45 degrés, qui permettent de passer une assiette légèrement en dessous pour passer la charcuterie, par exemple, sans soulever la planche. Là, moi, quand je vois une vache, je me dis où et comment la culture corse fait qu'on va essayer de vendre une vache par rapport à la Corse. Pour le bois, bien sûr, donc si j'ai compris, ça serait pour les essences qui poussent chez nous, qui sont le panarich ou du châtaignier corse, ou peut-être de l'olivier, si on en trouve encore, et un animal pour dire faire un objet, quoi. Il y avait plusieurs essences, parce qu'en fait, le principe, c'est de faire un bestiaire. C'est des animaux corses en bois corse. Voilà, c'est simple. Donc oui, cette horloge. Cette horloge, il faudrait trouver quelque chose d'assez large, mais sans le centre. Si tu veux la faire en entier, quoi. Ça, c'est pas bon, mais celui-là, ça dépend, c'est quoi le diamètre de C'est 35, mais en fait, c'est des lattes. Donc, c'est des lamelles, donc on peut les recoller, il n'y a pas besoin. D'accord, mais ça dépend si tu veux le faire en massif ou pas. Non. De toute façon, tu peux couper des bandes. Si on perce pas partout. Ici, on aura perdu un tout petit peu de longueur à chaque fois, mais multiplié par 5, ça va faire quelques millimètres. Même si c'est 2 millimètres, ça va créer des décalages par rapport aux lignes d'après. Donc ça veut dire quelque part, il aurait quand même fallu percer tout pour qu'on perde tous ces espaces, même s'il n'y a pas des tourillons à chaque fois. Idem, pareil. Ah, dès que tu perces à l'extérieur, ah oui. Et à la fin, hop, on venait mettre cette tige, mais... Ça nécessite un ajustage. Voilà. Ce que j'ai pensé aussi, c'est qu'avec ce gabarit, parce que pour deux côtés, le gabarit il est comme ça, la poule elle est dedans comme ça, donc il y aura le notre point de centre qui sera là. Ouais, on avait parlé de le faire hexagonal en fait, pour qu'on ait déjà une bascule, non? Mais est-ce que ça sert? Comment tu fais pour mettre 30 degrés? En baissant la table à la ligne. En gros, le point le plus important qu'on a à régler maintenant, c'est ça, c'est comment arriver
à faire que cette chose-là, elle vienne coller sur, sur la base. Est-ce qu'il y a un aimant? Est-ce qu'il y a une platine en polyamide ou en nylon? Ou est-ce que c'est un bois plus gras? J'en sais rien, moi je m'étais mis à rêver bien, qu'il n'y ait pas de... deux essences. Voilà, il faut que ce soit fluide. Ouais, ouais. Et du coup, je pense que c'est ça qui va déterminer aussi, est-ce qu'on laisse un anneau lumineux ou ouais. pas? Est-ce qu'on peut se le permettre? Est-ce que c'est réalisable de laisser un anneau lumineux? Ouais. Parce que... je pense que ce n'est pas le problème numéro un. Oui, voilà, d'accord. Parce que enfin, que la lumière passe entre ces deux parties de bois, il faudrait qu'il y ait quelque chose de translucide, quoi. Regarde, le petit renne. Mais tout le monde s'en fout du renne. Il n'y a pas de renne en Corse. Mais quand je montre ce petit chose, tout le monde reste... il trouve ça beau, parce que c'est fait artisanal. Je pense que c'est ça que tu veux en venir. C'est ça. Donc, alors que ça n'a rien à voir avec la Corse. Mais je suis persuadé qu'une entreprise déjà, en fabriquerait... j'ai quand même essayé de piocher dans le bestiaire. Bien sûr. Non, mais tout à fait. Corse. Mmh. Après, tu vois, des vaches, il y en a partout. Le mouflon, c'est plus endémique à la Corse, même s'il y en a aussi ailleurs. Donc, je ne veux pas rentrer, tu vois, dans des débats qui vont nous amener dans est-ce que c'est pure Corse ou pas. Les vaches, il ne faut pas les faire trop grasses. Hein. Il faut les faire comme moi, un peu maigres. C'est bien familier, bien efflanqué. On voit les côtes et tout. Hein. Et la suite, c'est la chaise. Ouais. Et du coup, sur la chaise, je ne sais pas, tu veux qu'on la regarde avant? Mais sinon, je me disais de manière assez simple. Hop là. On aurait pu tester droit pour essayer d'être plus simple là. Ok, ça va. On va se mettre dessus. On va tout, c'est bon. Génial. Voilà. Par contre, le sac à main, j'ai vu, c'est succinct par rapport à ce qu'on parlait là. La dernière fois, quand on discutait, on essayait de voir si on pouvait pas coudre un plaquage. Avec le rendre flexible, tu vois, il y avait une recherche, tandis que là, c'est un bout de bois, je dirais, ils ont fait une olive et ils ont cloué le cuir dessus, quoi. Non? Pour moi, dès le départ, j'essaie qu'on soit pas dans de la couture et dans de la maroquinerie classique. Donc c'est pour ça qu'il y a toujours du collage et des petites clés. Pour l'instant, c'est clouté, mais en fait, après, on va essayer de mettre des clés en bois. Mm-hmm. C'est Hugo Casalon, le luthier, qui va me les faire, en fait, les tourner. D'accord, voilà. Pour avoir des petits clous en bois. D'accord, voilà. Déjà, c'est pareil. Voilà, d'accord, je comprends. De détail. D'accord. Dans tous les cas, lui, il peut recouper. Donc, si jamais... par sécurité, je dirais, faisons du 40. Et en épaisseur, 12, mais il faut que ce soit 12 une fois raboté. Tu veux faire ton montage électrique là. Tu vas faire des fils? Oui. Il y a un fil qui passe par en bas, ensuite c'est un trou, et dedans on vient poser une sorte de cerceau qui accueille des LED, une bande de LED. Mmh. Ouais. Ouais. Je veux voir ça. Tiens. Selon comment la lumière va être réfléchie dessus, hein, on va voir. Enfin, c'est parfait, c'est tout le thème. C'est comme ça. Là, c'est tout plat, on ne voit plus rien. Ouais. Et là, on retrouve le volume. Et là, clac, on retrouve... C'est pour ça qu'à un moment, je voulais mettre une source au-dessus, tu te souviens? Eh oui, là, du coup, ça... Mais je pense qu'il y aura toujours une tendance lumineuse dans la pièce. Qui forcément, que, ça, on verra toujours. Ce ne sera pas la seule, le seul éclairage. Tu vois, l'idée, c'est faire un grand plateau comme ça et qu'on voit la naissance des branches pour que, du coup, comme on va avoir un plateau de table, tu vois, au moins, on arrive jusque-là, tu vois. Là, comme ça, on coupe droit et qu'on voit dans les nervures du bois, tu vois, le bois qui s'en va comme ça, ça peut être très beau. Ça, je peux le faire, moi, avec la tronçonneuse. Et en fait, quand on sèche un bois,
les premiers pourcents d'humidité descendent très vite. Jusqu'à 30%, ça descend vite. Et après, c'est pour passer de 30% à 20%, plus descendre après jusqu'à 12%, 9%. Là, c'est beaucoup plus long. Donc pour l'horloge, il faut quand même des planches. Dans les chutes qu'il y a là-bas, ça, je pense que c'est bien de le mettre. Comme ça, on l'a pour faire un premier essai. Mais on n'aura pas le droit à l'erreur et je suis pas sûr que ce soit assez épais. J'ai coupé à 20 à peu près. C'est vrai que du coup on va avoir beaucoup de chutes. Et ensuite il est penché à 7 degrés comme ça. Ouais, donc sur, le côté. Et attends, il y a encore un autre angle, il est aussi à 7 degrés comme ça. Un peu plus grand. Non, la 14, mais c'est normal, j'ai pas 9. Ok. J'ai pas 9,63, j'ai plus la tracée à 9,63 si tu veux. Non, mais c'est bon, c'est normal qu'on ait 14. C'est tout à fait normal, je l'ai réduit après en faisant ça. Ah oui, oui. Donc absolument. C'est parfait, si on a 14, c'est bon. Je pense que c'est mieux. Non, ce sera le plus bas. Voilà. Ouais, on peut les mettre là, hein, sur ces deux. Ah si, c'est obligé d'être en 30. Du coup, on est un peu juste. Ouais, mais il y a d'autres épaisseurs. Si on arrive... Ah, tu veux dire, on pourrait aussi juste tracer sur une table et venir se caler à la main. Je me dis juste, avec 20, il y a peut-être plus de frottement. Allez, mais du coup, bon. Ça va moins bouger. Et donc voilà, on va mettre des cales en dessous. Tu mets autant de cales que... là, on va commencer avec une cale assez grosse. On va mettre des petits trucs comme là, ça pour le retenir. Thank you.
Je trouve ça beau et en fait je suis surpris parce que j'étais... Enfin disons j'avais un doute. Je savais pas si 30 degrés ça suffisait ou s'il fallait couper à 45. C'est ce que je dis, parce qu'en fait il y a trois objets, donc il y a les sphères qui sont combinées pour faire le porte-fruit. Donc ça, à chaque fois le discours c'est d'être lié à un outil. Donc les sphères bah, c'est lié au tour, vu qu'il y a le tournage des sphères. Mais celui-là c'était lié à la scie circulaire. Donc dans mon esprit c'était vraiment fait à la scie circulaire. D'accord. Eh ben on le fera à la scie circulaire. Mais en même temps, quand j'ai vu ça, je trouvais ça bien. Hein. C'est vrai que ouais. Ça fait sens aussi de le passer juste pour faire les profils. Mais maintenant que c'est vraiment un set de trois pièces, c'est vrai que ça gagnera à être, à ce que ce soit visible, que ça sorte d'une même planche. Ouais. C'est quand même pas mal. Ah, oui. Prêt pour le disposer. Et les couteaux sont prêts. Je vais vous les montrer. C'est Simon de chez Caldi qui les a fait. Ils sont envoyés aujourd'hui, donc c'est en genévrier, le manche. Et c'est le petit. Bon, le manche me paraît assez, assez épais. C'est assez, bon, ouais. J'attends de voir en vrai, sur les photos, des fois, c'est trompeur. Et peut-être qu'il faudra couper en fait cette partie-là en biais. On trouve de nombreuses essences de bois que l'on peut trouver aussi bien sur le continent, à l'extérieur qu'ici. En revanche, il y a deux espèces qui sont fortement développées. La première qui est réellement endémique, c'est le pin lariccio, qui a de bonnes caractéristiques, très bonnes caractéristiques mécaniques en tant que pin et qui en plus a un fil très fin, donc ça en fait un pin de très bonne qualité. Et la seconde essence, c'est le châtaignier, qui a été importé tardivement, mais qui s'est très bien développé en Corse et qui offre un bois en fait, qui a influencé tout le métier de menuiserie historiquement. Voilà. Il y a des trous. Hein. Ah, t'as repris le thème de la bille de bois. Ouais. Parce qu'on va faire une gorge de 2 mm. On a fait la gorge alors pour la couronne de LED. À la fin, on la fera. Une fois d'accord. qu'il nous aura dit où on la met, on la fait. On l'a fait. C'est possible de le huiler ou c'est idiot, il vaut mieux le vernir. Ouais, je pense que. Bah, surtout dans du fait qu'elle est manipulée. L'huile, ça la protège pas. Hein. Mmh. Mais là, je peux le raboter, là, si tu veux, là. Bah, ouais, je veux bien, si tu le proposes. D'accord. Bon, pour moi, non. Après, là, on laisse l'angle vif. Hein. Exactement, voilà, on fait le passage. Hein. De chanfreiner ou... Toi, tu penses que c'est bon? Moi, j'ai peur que ça... Enfin, j'ai peur. Parce j'ai que peur, le cuir... Ça va marquer le cuir, ça va un peu le cisailler, surtout à l'intérieur. Jusqu'ici, là, comme on est sur le côté... Mais ça va être fixe, ça, ou ça va bouger, ça? Ça peut se régler. Parce qu'à l'intérieur, on a le bouton, et tu auras plusieurs réglages pour la chute à l'intérieur et la
Donc c'est pour ça. Bon, après, ce sera marqué de toute manière hein, comme une ceinture, mais... Comme une ceinture et oui, une boucle de sac. Ouais. Parce que toi, tu dirais qu'il vaut mieux le laisser brut, comme ça. C'est ça? Alors, si on parle de design et de bois, donc il faut rappeler que le design, c'est une discipline qui est apparue en même temps que l'industrialisation. Donc juste après l'invention de l'horloge qui a permis d'inventer la cadence et de mettre au point toutes les machines rythmées que l'on connaît, qui permettaient d'optimiser toutes les étapes de fabrication d'un objet, de baisser le coût et de l'offrir au plus grand nombre. Et si on fait le rapprochement avec le bois, en fait ce qui est intéressant c'est qu'on a tendance à penser design et plastique, design et matière synthétique. Et le bois c'est un matériau qui n'a pas du tout attendu l'industrie pour être développée, pour donner lieu à différents types d'objets, autant du mobilier que des petits objets du quotidien. Et pourtant, ça a eu des répercussions très fortes sur la manière d'appréhender les métiers. De faire d'office des caméras. Non, pas forcément, mais celle-ci. D'accord. Parce que bon, sur un truc comme ça, constant, bon, quasiment, tu fais rouler un petit papier de verre dedans et c'est fini. Mm-hmm. C'est pas le calibrage précédent. Je pense pas. Tu vois, il a pris un peu de flèche. Donc, ben ça, c'est le jour qui est là, à mon avis, c'est celui-là. Celle-ci devra arriver là et l'autre par ici. 2 cm. Un de chaque côté. 37 au lieu de 35, 2 cm. On peut aussi faire ça. Ou bien rajouter 8 mm de chaque côté à l'intérieur pour ne pas perdre en fait ce point d'appui extérieur. Parce qu'après, sinon, j'ai peur que ça n'en croque que. On va voir, hein. Ça peut être le même.